Salut tout le monde, c'est... Oula, oui, ok. Salut tout le monde, c'est Zedion et aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de Survie Incommode. Et donc aujourd'hui, déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait en off. Alors donc nous aurions arrêté donc sur ce magnifique village, donc en off, j'ai planté toutes les baies, tout ce qu'on avait en baie là, j'ai tout planté. Comme ça, là, et en fait, on peut récupérer en faisant clic droit. Et en fait, ça pousse au-dessus. Et après, on peut récupérer et replanter autre part. Comme ceci, par exemple. Hop, hop. Voilà. Donc, c'est assez sympa. C'est. Je sais. Ça donne un. Comment ça? Ok. Donc, ça donne à manger. Ça pousse assez vite en fait, je sais pas trop, c'est assez aléatoire en fait la poussée. Donc voilà, donc c'est passé, j'ai fait ça. Dans la maison, donc j'ai trié, mais ça je crois que vous le savez. Donc j'ai trié, donc ici la nourriture et les loot, ici les minerais et les trucs un peu spéciaux, genre ça, les essences. Ici donc tous les outils, on va récupérer d'ailleurs le boomerang. Ici donc les armures. Ici donc les blocs construits en fait qu'on trouve pas vraiment naturellement. Là les blocs vraiment naturels. Plus ça là. Et ici vraiment tout ce qui est spécial avec tous les sacs et le disque. Et en bas, je me suis encore amusé avec la redstone. Enfin entre autres c'est pas vraiment la redstone. Ici on met genre quelque chose qu'on veut faire cuire, genre le steak. Ça va là. Ça descend dans l'entonnoir qui réchauffe comme ça. Et ensuite on récupère en bas tout ce qu'on veut. Donc là vous voyez j'ai mis tout ça parce que je veux faire, je fais tout ça. Ok. Donc vous vous dites, bah déjà ça ce sont des baies que j'ai récupéré un peu partout. La tête de zombie, je sais absolument pas d'où elle vient. J'ai récupéré des Giza Green qui nous permettront de faire, je ne sais pas, un gâteau, un Giza Cake. Ou alors on peut faire aussi des Giza Raw Pickles. Ou alors des seeds. Et donc j'en ai replanté là en fait, voilà. J'ai un peu amélioré ça et j'ai trouvé un villageois comme ça et même un deuxième je crois, oui voilà, deux villageois comme ça. Donc c'est assez génial, ok. Donc je vais faire une petite pause, je vais poser un peu tout ce que j'ai, retrier mes objets comme ça. Voilà, vous n'avez pas à subir encore ce truc. Et donc on se dit à tous, je me suis appuyé deux fois sur le même bouton. J'ai oublié de vous préciser en fait que j'ai récupéré donc une Craig Norris Sword avec tranche en deux. Et aussi une pioche efficacité 2, solidité 2, en battant des infernal mobs qui ont voulu taper le village. Enfin les villageois. Enfin bref, voilà. Et donc vous voyez, ils ont laissé des traces sur notamment des toiles d'araignée. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Je prends tous mes sacs parce qu'on va partir à l'exploration de... Écoutez, en fait, il y a une personne dont le nom va s'afficher tout de suite à l'écran parce que j'ai oublié de le noter. Une personne qui m'a donné un défi. De tuer 250 monstres, 250 monstres, bah monstres, voilà, donc de tuer, pardon. Il m'a donné comme objectif de tuer 250 monstres, ce que je vais faire. Et pour cela, par tout hasard en fait, en faisant la vidéo, la vidéo spéciale 20 abonnés. Ok, donc encore ce fichu lag. Donc comme je le disais en fait, quelque chose que j'ai découvert donc dans Channel Z, l'épisode 1, qui se trouve en fait ici. Peut-être sur la carte vous reconnaîtrez pour certains ah on peut zoomer. Vous reconnaîtrez donc sans doute pour certains qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Je m'aventure là sur quelque chose d'assez risqué. D'assez, de même très très risqué. Ah mais en fait j'oublie qu'il y avait la minimap. Ah voilà, une battle tower. Je vais donc, oh waouh. Ah non par contre les feuilles et tout c'est stylé ça. Ah non, attendez, moi j'y vais tout de suite. Oh, c'est trop stylé, toutes les couleurs de feuilles. En fait, il y avait déjà ça au début de l'aventure. Ok, au revoir. Pas de problème. Donc, on va faire cette Battle Tower. Ensuite, là-bas, il y en a une autre un peu, peut-être... En fait, il y a plein de Battle Tower ici. Parce qu'en fait, en regardant sur la carte, je voulais aller sur celle-là qui était rouge. Mais manifestement, il y en a 4. On va peut-être pas faire la rouge tout de suite, on va d'abord faire celle-là. Donc aujourd'hui, mission Battle Tower. Et que j'ai pas de... D'accord, bon bah tant pis. Alors, go. Donc on commence déjà par casser ça. Donc vous comprendrez le battle de la... Vous comprendrez donc le concept de la Battle Tower qui est en fait assez simple.
Il y a deux spawners par étage, il y a des coffres à chaque étage quasiment. Et le but c'est de monter tout en haut pour avoir la grosse surprise. Ce n'est pas le même mode qu'à rajouter le donjon auquel j'ai... Enfin le premier donjon qui était assez cheat. Ce qui veut dire donc que ce que je vais récupérer ne sera pas forcément exorbitant. Bah regarde, vous voyez, j'ai pas récupéré des trucs vraiment exceptionnels. Mis à part des plumes. Ouais, des citrouilles. Ah, c'est des citrouilles, ça va quand même. Donc on va mettre quand même les flèches là. Voilà. Alors pour l'instant ça a l'air d'être assez tranquille. Est-ce que... Attendez. Ouais, je suis en facile. Ah alors, attendez, parce que ça c'est bien intéressant. Il va faire nuit. Et attendez, parce qu'en fait on trouve des stacks entiers de... D'accord, bon en fait c'est quand même un peu cheat. En revanche ça, je voudrais voir quelque chose. Est-ce que... On ne peut rien faire avec, d'accord. Donc vous savez, des fois il y a des crafts et là on peut pas. Ah, alors manifestement il y avait un monstre. Oh, on peut... Ah, waouh, oh. Oula. On se calme, donc un monstre de tuer. Je le note. Je le note tout de suite, hein. En fait je vais faire des traits sur une feuille à chaque fois. À chaque fois que je tue un monstre. Et à la fin donc je compterai les... Ah, je vais compter donc les croix. Enfin les petites... C'est, vous savez, les petites barres là. Oula, oula. Donc je vais compter les barres. Alors que voilà, vous voyez que... Il commence à y avoir pas mal de monde. Et en plus, il tombe des étages. Oula. Ah oui, mince, j'avais négligé ce fait qu'il y avait des infernal mobs. Oh, oh, oh. Non, je vais pas faire de... Je vais pas vous faire de canin, s'il vous plaît. On s'en va. Voilà, merci. Me laisser casser ça tranquillement. On va bon, heureusement que je suis en facile. D'ailleurs si vous voulez que je change, dites le moi. Je ne... Pour l'instant je pense qu'il vaut mieux rester comme ça. En revanche donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer des blocs ici. Et tu vas pas me pousser dans le trou s'il te plaît, merci. Oula. Il y a beaucoup de mobs un peu cheat. Ouh là 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 là, ouh là là, attendez, on va manger. Waouh! Tiens. Oh, waouh! Une épée de la mort qui tue. Freeze Light Sword. Oh, ça les ralentit. Oh, on a récupéré une autre puissance 1. On pourra se faire un puissance 2 comme arc. Ça, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'il y avait ici? Ah, des bouteilles d'enchant, ça, ça. Regarde, attendez, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que hop. Non, on va faire comme ça, hop. Et là, on balance tout. On balance tout. Alors attendez. Oh mais tu vas pas me faire chier. Entends toi. Hein? Tu te calmes, voilà. Ok donc hop, on range tout ça dans le sac. Voilà. Le sac est plein. On en prend un autre. Je trie pas, je trie absolument pas. Alors on va pouvoir enlever la hache et on va mettre à la place. À la place on va mettre je sais pas quoi. Quelque chose d'utile, bah l'épée tiens. On va essayer cette plus arrête sword. Ah oui d'ailleurs j'ai remarqué que quand on fait clic droit en fait avec ce bouclier avec l'épée pardon, avec une épée, ça nous met directement le bouclier, c'est assez pratique. Ça c'est cool. Waouh. Il y a trop de monstres. Oula. Ah mais j'ai pas tout récupéré en plus ici. Ok. D'accord. Wow. Hey, arrêtez de me faire chuter de tous les étages là. Ah oui, non, voilà, c'est des blocs qu'il fallait que je mette. Ah. Waouh. Eh, stop. Stop. On me laisse tranquille. Tu fais quoi, toi? Attention. Il est fou, celui-là. Hop, on bouche les trous. Sans aucune autre allusion, bien évidemment. Franchement. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on récupère donc des petits trucs, surtout des underpearls, c'est cool. Un pélican. Rien que ça, un pélican. Ok, oula, oula. Oula, oulala, oulala, oulala. On se calme les enfants. On se calme. Bon ça va, manifestement, je prends
pas si cher que je pensais. Je pensais déjà mourir en fait dès le premier étage. Mais il faut dire que j'ai une épée de cheat et pas beaucoup d'armure. Ok. Voilà. Alors par contre, les blocs qui clignotent, j'apprécie pas trop. Comprenez. Ah, des bibliothèques. Ah, là il y a des trucs bien. Bibliothèque, bâton de blaze. Des potions, ça veut dire. Sans doute plein d'autres choses avec les mods. Juste en revanche. Non mais sérieux. Vous avez pas me saoulé longtemps. Les squelettes. Voilà. Bon, non mais. Les squelettes. Mais il y a trop de monstres. Il y a trop de monstres. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça me fait de l'XP. Et que ça me rattrape. Parce que oui, vous voyez, il y a beaucoup de mob spawners. Que je ne vais pas exploiter pour l'instant. Parce que je ne sais pas trop faire. Enfin, voilà. Attendez, parce qu'en fait, là, je suis un peu en situation de galère ultime. Je raconte de la merde, je n'arrête pas de parler. Je fais que de parler, ça me saoule. Je me tais. Temporairement. Le mec il sautait dans ses vidéos. N'importe quoi. Hop. On range un peu tout. Tant pis, c'est pas trié. Osef, la vie. What? Ah, d'accord. Magique essence. Oui, c'est. D'accord. Donc, c'est en fait c'est ce qui se fait avec tous les différents essences. On obtient une magique. Je te jure que tomber ça m'énerve. Tomber ça va m'énerver. Et donc. Hop. Heureusement qu'elles empoisonnent pas, ça me saoulerait encore plus d'être empoisonné et de gérer le poison. Voilà, t'es tombé toi. Hein? Y'a pas que moi qui tombe quand même dans cette aventure. Laisse-moi tranquille, laissez-moi. Non mais, hey! Aou! Aou! Et d'ailleurs, je commence à perdre pas mal de PV là. Ah mais d'où? Mais. J'en ai marre. C'est horrible comme Battle Tower. En plus, je fais ça de nuit, c'est pas très malin aussi. D'accord, donc l'araignée qui. D'accord. Soit. Waouh! Vous comprenez peut-être pas grand chose. Mais moi non plus. Je vais jamais réussir à ouvrir ce coffre. Je vous jure. Waouh! Voilà, là j'ouvre à distance. Ah yes, des émeraudes, ça c'est exactement ce que j'avais besoin. C'est exactement ce que j'avais besoin, donc les émeraudes. Non mais, je vous jure, j'en ai marre. Tu te dégages toi. Au moins, on aura récupéré même pas beaucoup de flèches. Ah non, je croyais qu'on était au dernier étage. Je croyais que c'était la nuit, mais en fait c'était une araignée. Hop, on casse tout et. Hein? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Battle Tower Golem, ok. Oh. Attends, toi, déjà tu dégages, s'il te plaît. Oula! Alors attendez, parce que. Est-ce que. Est-ce qu'on peut le faire ça? Ah oui. Hop! On va tuer au boomerang le golem. Eh, y'a un truc bizarre ici. Ah ouais, attendez, on va peut-être manger un peu avant. Aïe. Ok, donc là, il a tout cassé. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça. Attendez, parce qu'en fait là, il y a des objets chelous. Que je ne saurais. Et là, oh, il y avait quoi? Ah d'accord, oh, il y avait un gros trou. Ok, et on a une belle vue. Oh, on a une belle vue. Mais il y a absolument pas un monstre qui est en train de me taper. Hop. Ah ouais. Vite, on redescend. On s'en fout. On se cache. Il faut qu'on descende cette tour. Parce qu'on va mourir sinon avec ce golem. Je n'avais absolument pas prévu. On a récupéré plein de trucs. Ender Giant Sword. Faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on se dépêche de descendre, j'ai plus beaucoup de PV, ça me stresse énormément. Waouh, hey. Comment arrive à me toucher depuis là? Est-ce qu'on peut... Ouais, hop, on saute.
Non mais toi c'est absolument pas le moment de venir me faire chier. Ok, donc j'arrive un peu à... Ah d'accord, ah ouais merci hein. Je préfère qu'on... Waouh. Waouh. Attendez, ça c'est pas les guides du feu. Voilà. Oh là. Oh, ice grenade, fire grenade, une name aid. Magic mirror. Oulala. On a eu tant de choses qu'il ne faut absolument pas perdre. On va tout ranger là-dedans. Si des fois on meurt, on sera bien content de récupérer tout. Ah, attendez. Ça, ça va être pratique. Une pomme en or. Cheat en plus. Voilà. Et maintenant, on va aller donc se refaire ce monsieur, pardon, qui a absolument cramé la forêt. Il n'apprécie pas trop la nature. Bon, on s'en fout, on a résistance au feu. D'ailleurs, je sais même pas pour. Ah oui, ah oui, la potion. Il est où? Ah, il est là. Hop. Oh, il s'est régène. Bon, c'est bon. D'accord. C'est un combat très spécial. Il me fait plus aucun dégât. The Battle Tower Guardian has fallen without explorer. The tower will collapse. Oula. Donc la tour va se détruire. Pour la traduction. Il m'a donné. Il m'a absolument rien donné. Merci. Donc la tour va disparaître. Comment ça va disparaître? Oh. Elle se désintègre. Et elle. Oh. C'est trop. Il y a encore le feu. La tour, elle se désintègre et elle laisse tomber des blocs. Ça, c'est trop génial. Hop, on récupère du bad boy. Du coup, on se fait plaisir. Hein. J'ai envie de vous dire. 31. Mais qu'est-ce qui prend feu, là? Tu me saoules. Oh. D'accord. Fear pelt. Donc là, ah. Ah oui. Ah oui d'accord, ça fait ça. Qu'est-ce qu'il y a là-haut en fait? Ah ouais, en fait on a eu vraiment mais... C'était sympa en tout cas cette Battle Tower. Bah je pense que c'est la fin de l'épisode qui aura été très mouvementé. Du coup je vais tenter de me faire... On se fera celle-là au prochain épisode. C'était vachement sympa cette Battle Tower, je sais pas vous. Un peu facile. Mais je pense que celle du laser va être beaucoup plus dure. Ça je peux vous le dire. Je vais retourner vers le village. Et on va se dire donc à la prochaine pour un nouvel épisode. En fait je ne sais absolument pas combien de temps ça fait que je filme. Mais je pense qu'on a bien pour 20 minutes. 20 minutes de Battle Tower, ça va être un peu spécial. Ok. Donc 2 secondes. Voilà. Hop, on passe par là. Ta. Touk. On a des Ender. Ah oui, attendez. Non. Ok, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une liste de toutes les choses à regarder. Je mettrai tout dans un coffre. Et j'ai deux épées comme ça? Non. Pourquoi? Ok. Bon, donc je vais faire en fait une liste de tous les objets qu'on a reçus un peu bizarres qu'il faut découvrir. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!